Attention, son drôle de... qui va essayer de récupérer Spock. C'est fait, attention, il peut décaler peut-être. Non, il va pouvoir prendre son shoot. Il y a de l'espace, Holden. Ouf, juste à côté, Anderson. Allez, on se bat, mais c'est récupéré par les Zurichois. Et Holden peut prendre la vitesse, hein, 4 contre 3 qui s'organise. Julien Privé qui trouve Stops Anderson dans un shoot. Ouf. Quel arrêt de Lauren Grutter. Fogel qui revient sur Stoffel, il y a l'espace. Yves Stoffel, Stoffel qui rentre, un tir. Ça revient sur Barbey qui manque sa reprise, c'est dommage, mais ça continue, non. Et Kerky qui va temporiser, il va jouer à la bleue maintenant. Barman, Kerky qui manque son affaire. Heureusement qu'il y a des mécages vides. Et Robin Leonet dans la foulée qui manque également le cadre. C'était une très grosse occasion. Par Rémi Fogel. Kerky, on le retrouve directement dans le coach Fournier. Il peut mettre une petite passe lobée. Interkircher est finalement bloqué par Victor Östlund à 11 secondes du retour de colère. Va revenir sur Voirol à la bleue. Voirol, le tir de Matteo qui passe à côté. Stoffel qui manque son affaire. Dommage, alors qu'il y avait un rebond à la bande. Mais ça continue. Lusli maintenant. Et dommage, le Becken finalement un peu trop court. Attention, Anderson qui a essayé de jouer du back-end pour Sandro Holden, ça n'a pas fonctionné. Mais la première ligne shoot venir qui est là et qui a tenté de presser. Il y a de l'espace, Proto Dugna qui va remettre un shoot. Il shoot, ah, ça passe, où est-ce que ça passe? Attention, il met goal! Thomas Anderson qui libère une première fois les mêlées suite à ce tir de Tony Gnin qui est venu heurter la bande. On revoit sur ces images et ce shoot qui passe à côté et Thomas Anderson dans la bonne place qui se barre pour aller. Allez, pousser ce peu au fond, hein. Lui qui venait de revenir il y a une minute du... C'est bien joué de la part d'Holden, hein, quand même, qui arrive à toucher juste ce puck du bout de la canne sur Anderson. C'est évidemment Lauren Grutter qui n'était pas repositionné. 1-0 après 2 minutes et 54 secondes, pardon. Avec Anthony Gna qui va tenter de shooter, non. Peut-être maintenant il shoot. Ouais, ça passe juste à côté. Holden qui joue devant. Oh. Kyle Hudson qui a failli réussir à la mettre au fond. Mais attention, les Schottfeuillers sont toujours devant le but. Anderson, le shoot. Ah, c'est bloqué par Grutter et on va pouvoir se dégager peut-être pour les Zurichois. Avec Holden. Holden qui a un peu d'espace. Qu'est-ce qu'il va chercher? Anderson, Zugna qui shoot. Westbeck, il est sur Huxter, le tir d'Huxter. Et Holden maintenant qui a malheureusement cassé sa canne. Qui ne fait pas faute selon les arbitres qui a un petit peu retenu son attaquant. Et on peut repartir avec Julien contre Colère. Très bon contrôle qui met au centre. Et c'est goal de la part de Loïc Hinalbon qui arrive tout juste à toucher ce puck du bout de la canne. Colère, petit Becken en direction de David Huxter et Hinalbon qui a bien suivi. Et cette ligne s'est arrachée pour aller chercher le 2-0. Un magnifique dans une période creuse et là ça tape le patin d'Huxter et ça revient droit devant le but. Évidemment, Lauren Grutter ne peut rien faire sur ces deux réussites de shoot fournir. Le jeune prodige Justinkov qui peut mettre sur Neuschwander. Le tir de Neuschwander directement sur Victor Östlund et ça brasse quelque peu devant le porté shoot fournier. Warhol qui peut partir avec Holden qui a un peu d'espace, qui a tenté de prendre de la vitesse. Il contourne la cage, il joue avec Warhol. Oh, attention, il a failli la mettre au fond. Ça aurait été magnifique. Mais le contre, Zurichois maintenant avec Troc qui remet derrière lui le tir de Chaler et qui finalement sera bloqué dans le plastron de Victor Östlund. Yves Tovel qui peut lancer, attention, Josta Dufay avec Yannick Lusli. Dufay, Lusli qui shoot, ah c'est bloqué par Lauren Grutter. C'est parti, son drôle de garde l'espace, il va pouvoir prendre la vitesse, peut-être aller chercher un shoot. Il a du tout l'espace, oh, presque. Il a failli réussir à la remettre ensuite. Attention, il doit se battre pour garder ce puck. Attention, Holden qui se presse avec Grutter qui touche juste devant lui. Une bonne sortie cette fois de Grutter. Anderson qui trouve l'autre côté. Loïc Hinalbon! De Loïc Hinalbon sur ce service 5 étoiles de Tom Sanderson qui parvient à inscrire un doublé. 3-0 pour les Schottfeuilliers dans ce match numéro 5. On le voit. On va avoir ce puck récupéré, le coup d'œil. Et ensuite la finition parfaite. Loïc Hinalbon, Loïc Hinalbon qui est là dans les grands moments. On se souvient également qu'il avait marqué lors du match numéro 4 au Kleinholz. Un goal qui avait fait du bien au Schottfeuillier. Là, il est récidive pour une deuxième fois ce soir. Le doublé pour Loïc Hinalbon. Heureusement, la passe pour Marlon Graff n'a pas fonctionné. Mais attention, une action, attention. Ouais, ça passe par-dessus le back-end de Joël Henrequin. Il n'a pas fonctionné. Un nouveau puck, cette fois-ci pris par Huxeger. Huxeger qui fait le tour, le tir, et finalement bloqué par Lauren Grutter.
Attention, on rentre dans la zone chaudefonnière. On va tenter encore d'aller chercher des shoots. C'est le cas maintenant. Et goal. Et goal de Timothée Chalère, celui qui était 13e attaquant sur la feuille de match, qui profite du monde, hein, clairement devant la cage de Victor Osloon pour inscrire le premier goal pour les Zurichois. Et qui sait, à 4 minutes 37 de la fin de ce match, ouais, beaucoup de monde devant Victor Osloon, notamment Jan Schwendener qui a bien masqué le portier chaudefonnier. Effectivement, Yves Stoffel qui était peut-être un petit peu loin de son attaquant et qui n'a pas pu bloquer ce shoot. Et bien joué de la part d'Andersons qui arrive à prendre ce peg. Andersons qui met à Privé une cage vide, évidemment. Aïe Privé qui est contré face à Backman. Dommage de Julien Privé qui avait une cage vide. Bon retour tout de même du Suédois. Qui ce dernier but. Attention, il y a de l'espace pour jouer. Laurie qui va shooter. Aïe, bien bloqué par Victor Osloon. De Victor Osloon. On va tenter de ressortir. Et ça sort, plus que 10 secondes à faire. Il n'y aura pas de dégagement interdit. Ça va être bon. La Chaux-de-Fonds est champion de Swiss League pour la deuxième fois de suite. C'est fait. Devant des Belges en ébullition. Magnifique, mais magnifique ce qu'on vit là. C'est beau.